C'est un parti qui construit un pays où chacun et chacune aura sa juste place, où la diversité ethnique et culturelle sera notre richesse commune. Nous ne voulons pas des deux blocs, océaniens et les autres, les pauvres et les riches, non. Nous ne sommes pas fiers d'avoir un quart de notre population en dessous du seuil de pauvreté. Alors croyez-moi, il y a du pain sur la planche, mais nous y arriverons. Je vais d'abord dire ce que nous avons déjà fait. En 2004, nous avons attaqué les urgences les plus criantes. Premièrement, l'enfance. Il y avait en 2004 des enfants qui ne mangeaient pas à leur faim. Le vendredi 11 mars 2005, moins d'un an après l'élection de Marie-Noëlle Thébault, le Congrès a adopté, a mis en place les allocations familiales de solidarité. Eh bien, le Rassemblement ne les a pas votées. Et le logement? C'est Philippe Gomès en 2004 qui a réuni les états généraux du logement. Le gouvernement Thébault a mis en place l'aide au logement pour les travailleurs à faible revenu. Mais surtout, un effort intense de construction a été mis en place dans la province sud. Les programmes sont passés de 300 logements par an à 1150 en 2009. Le résultat a été spectaculaire. Diminution des délais d'attente. Moi, j'ai vu les mal logés reprendre espoir. Et diminution de la construction des squats. Nous avons été très fiers de reloger tous les squats et d'annuler le squat du pont. Nous en avons été très fiers. Nous avons aussi travaillé pour l'accession à la propriété des classes moyennes avec le prêt à taux zéro. Et le handicap. Pour les malchanceux de la vie, de 2009 jusqu'en 2011, avec Philippe Dunoyer, nous avons travaillé avec acharnement. Regardez Philippe Dunoyer, il en a vu blanchir son pouls. Dès le 10, c'est aussi le 10.